Yop, aujourd'hui je vous montre trois techniques permettant d'améliorer son cardio. Première technique, la course à pied. Cette technique est selon moi la moins efficace des trois techniques et la plus coûteuse. Il faut acheter les bonnes chaussures, le maillot, le short de course. Et de plus, il y a un risque élevé de blessures lorsqu'on court. Mais attention, il ne faut pas pour autant bannir la course. Celle-ci représente un avantage certain tel que le maintien d'un métabolisme élevé 24 heures à 48 heures après la course. Ce qui est un plus lorsqu'on veut perdre du gras, on va pas se le cacher. Elle permet de s'aérer l'esprit et de voir du paysage. Et d'après certaines sources, elle permet également de vivre plus longtemps. Et ça, on dit pas non. Deuxième technique, les programmes cardio. Sincèrement, c'est ma technique préférée, c'est celle que j'utilise actuellement. Celle-ci n'est pas coûteuse si on s'y connaît un minimum. A contrario, il faut payer un coach sportif pour qu'il vous ponde un programme sur mesure. Avant de sortir vos euros, je vous conseille d'essayer mon programme cardio qui est disponible sur mon Instagram et ma chaîne YouTube. Diminuer le temps de repos et augmenter le temps d'exercice si c'est trop facile. Répétez le circuit 3 à 4 fois. Répétez le programme cardio 3 à 4 fois par semaine. Et croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles. La troisième et dernière technique, le stepper. Il n'a plus besoin de faire ses preuves. Il nous a démontré à tous son efficacité. Malgré le fait qu'il représente un certain coût, le stepper a été élu meilleur investissement de l'année 2021 par le comité des sports composé de moi-même. Parmi les trois techniques, celle-ci est la meilleure. Elle m'a permis, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, d'augmenter drastiquement mon cardio en plus des autres bénéfices. Je conseillerais à toutes celles et ceux qui veulent acheter un stepper d'en faire 3 à 4 fois par semaine pendant au moins 30 minutes. Vous pourrez également, en même temps de faire du stepper, regarder une vidéo ou encore écouter un podcast. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser les techniques que je vous ai exposées dans cette vidéo. Dites-moi quelle technique vous comptez utiliser pour augmenter votre cardio et proposez-moi d'autres techniques en commentaire. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce en l'air, le commentaire, le partage et l'abonnement. Passez faire un petit tour sur mon Twitter et mon Instagram. Quant à nous, les petits potes, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.